adresser à toutes les filles. À toutes les filles qui disent que la Miss Cameroun n'est pas belle. S'il vous plaît, les filles, arrêtez ça. Arrêtez, laissez tomber. Il y a quoi? Vous ne pouvez pas encourager l'enfant. Elle est allée se présenter à un concours où elle est sortie Miss. Vous l'encouragez quand même. C'est quand même une personne comme vous. Ça peut être vous à sa place. Il y a quoi de lui viser la pied à chaque temps? Chaque jour, vous lui écrivez des messages, vous lui envoyez des messages, vous lui dites qu'elle ne devait pas être la Miss. Mais les filles, arrêtez quand même. C'est bon, elle a compris. Vous avez dit ça une fois, elle a compris. Faut laisser quand même, arrêter un peu. Vous-même sur Facebook là, c'est pas vos photos que vous mettez. Vous prenez les photos des stars, vous mettez. Sur Facebook, quand vous mettez une photo, vous avez fossile, vous avez piercing, vous avez mis les noirs, vous avez mis les phares, vous avez mis les clignotants. On peut même plus vous remarquer. Vous voyez l'enfant du tout, vous dites elle n'est pas belle. La fille là, elle n'est pas belle. Est-ce que vous vous êtes regardé même? Vous vous êtes regardé, vous les filles là qui dites qu'elles ne sont pas belles. Envoyez vos photos, on va voir. Mettez vos photos sur Facebook, on va vous voir. N'est pas vous fuyez l'Afrique pour aller chez les blancs là, pour faire les enfants métis, comme ça ils vont un peu ressembler à quelque chose. Parce que vous savez que vous êtes laid même quoi. Il y a quoi même? Laissez l'enfant de tuer. Laissez-la tranquille, laissez-la. Je vois aussi, il y a des garçons qui entrent dans les conversations des femmes. Vous entrez aussi, vous dites qu'elles ne sont pas belles. Elle n'est pas belle. La fille là n'est pas belle. Faut mettre photos de vos copines ici, on va voir. Mettez les photos de vos copines. Même les garçons qui ne savent même pas draguer les femmes, qui ont la bouche qui sent là. Ils sont là, ils parlent dedans. Faut laisser les gens. Laissez les gens tranquilles, les gars. Laissez les filles. Faut accoucher vos enfants, on va les voir. Les garçons, accoucher vos enfants, on va voir. Faut laisser les choses ici dehors. Les gars, faut pas entrer dans les conversations des femmes, les commérages. On est quand même des grands, on est des hommes réfléchis. Il faut encourager la personne, encourager au moins son talent. La Miss, ce n'est pas seulement la beauté physique. Il y a la beauté intellectuelle, il y a plein de critères qu'il y a derrière, les gars. Peut-être qu'elle a rempli d'autres critères, il n'y a pas seulement la beauté physique. Non, les gars, il faudrait qu'on fasse comprendre au monde. Quand on a une icône, on doit porter cette personne plus haut. Il ne faut pas rester là à critiquer, à dire n'importe quoi. Mais sinon, j'espère que le message est passé. Ce n'est pas une leçon que je veux donner aux gens. Mais c'est juste que si l'Afrique continue avec cette idée-là, avec cette idéologie-là, on ne va pas arriver. Si on a une icône, si on a quelqu'un qu'on veut mettre au-devant, regardez comment les Blancs ils font. Quand ils veulent te laver, ils te lavent bien même. Quand ils veulent te salir, ils te salissent très bien. Lavons au moins nos icônes. Il faut qu'on lave nos icônes, les gars. Donc, j'espère que le message est passé. Il faudrait qu'on essaye un peu de voir un peu notre manière de réfléchir. Si on a élevé quelqu'un, qu'on soit avec la personne. Ok, merci à vous, la famille. Ciao, ciao.